J'ai un enfant handicapé, Simon, hein, qu'on connaît bien, bon, que certains connaissent bien. Et pour moi, c'est une cause importante. Donc le handicap, il faut être solidaire, se dévouer et participer à ce genre d'événement parce que pour nous, c'est important. On est bénévole pour Cap 48 parce que depuis le démarrage de notre association, Cap 48 a soutenu notre projet. Pour moi, l'handicap fait partie d'une vie au quotidien de tout le monde. Donc moi, je trouve qu'il faut se bouger pour Cap 48 et voilà, c'est mon point de vue personnel. Bah, la vente des post-it, c'est l'occasion aussi de sensibiliser les gens sur le handicap. Donc c'est l'occasion, avec Simon, d'être ensemble. On vient de Jedeugne. La cause est importante pour nous parce qu'on fait partie du centre de notre maison, qui est un centre pour personnes handicapées, qui reprend des personnes à retard mental, à différents retards. Et donc, voilà, on tient cette cause très, très à cœur. Les personnes extraordinaires méritent une intégration et d'être reconnues. Nous, on travaille dans une institution avec des personnes handicapées. La vente, c'est Simon surtout qui a fait. Donc, toi, t'as bien vendu, toi? Ouais. Bah écoute, moi je trouve qu'il a fait un super objectif, il est super motivé de le faire et voilà. Donc oui, il faut que ça continue. C'est important pour moi, pour l'inclusion des personnes handicapées dans notre société actuelle. Nous sommes bénévoles pour l'association de Cap 48 parce que nous soutenons une ASBL qui a été créée par Mel dans notre région, dans la région de la Louvière. C'est l'ASBL On s'en va au jardin qui vise l'intégration de personnes porteuses d'un handicap. On trouve ça important de participer à une cause pareille. C'est tout à fait normal qu'on fasse ça pour eux, on est là pour eux au quotidien, donc c'est normal de donner notre soutien à toute la Belgique. Et la vente de Cap 48, c'est très bien passé, on a été les meilleurs vendeurs de notre maison, on a vendu à nous deux pour plus de 500 euros. Cette année, la vente s'est bien passée, les temps sont durs pour tout le monde, mais malgré ça, je trouve que les gens sont quand même super généreux. Je suis solidaire avec tous les parents, avec toutes les personnes handicapées. Le monde va mieux quand on est tous ensemble. C'est un moment à deux, on met en avant le handicap et je trouve que les gens sont souvent sensibles à ça, elles sont accueillants, donc pour moi c'est un moment où je trouve ça agréable. On a été dans le village, on a vendu plein de post-it chez les habitants qui étaient très contents de pouvoir aider l'association. Je suis bénévole pour Cap 48 parce que j'ai des enfants qui ont des porteurs d'handicap. Il y a une qui est autiste et une qui est dysphasique. Et je me sens concernée par l'inclusion. Alors je me mobilise aussi pour cette cause. On a vendu beaucoup plus que les autres années, donc on est très content de notre chiffre de cette année. Cette année, on a décidé de participer à Cap 48 pour soutenir la cause tout d'abord parce que c'est super important que ça assure un suivi. Oui, la vente des post-it s'est bien passée. On a eu de la chance de pouvoir en vendre énormément grâce à l'école de Saint-Va et aux petits magasins qui travaillent avec l'ASBL aussi. Et donc, nous avons eu la chance de pouvoir en vendre beaucoup. C'est important d'être bénévole pour donner de son temps à d'autres projets. Et Cap 48 soutient énormément de projets, donc ça nous faisait plaisir de participer.